Plus que 4 équipes en lice. Attention, on entre là dans la catégorie des très grands rendez-vous à une marche de la finale. Préparez-vous à vivre d'incroyables émotions. Tout de suite, cette demi-finale de l'Euro. Salut à toutes et à tous, c'est le moment de profiter de cette rencontre sous haute tension au programme. Une demi-finale de l'Euro 2024 qui s'annonce monstrueuse. L'Allemagne affronte le Portugal. L'émotion, ce n'est pas un obstacle, c'est un allié. Et il doit te libérer plutôt que de t'enfermer. Voilà une bonne défense. Alors, la compo de départ pour l'Allemagne. Le but est gardé par Manuel Neuer. Antonio Rüdiger. Oui, la parade! C'est à peine commencé que déjà le gardien nous sort un magnifique arrêt. 0-0 dans ce match, mais attention la suite. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Ah, la pression là sur Ruben Dias. Bernardo Silva. Elle n'arrivera pas, cette passe de Bernardo Silva. En parlant un petit peu de Kai Havertz, c'est évidemment l'attraction et le danger principal de cette équipe. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande... Attention, ça chauffe là! Nuno Mendes. Et ça joue sur Ruben Dias. Palinha. C'est donc un coup franc pour l'Allemagne. Ah, le tir manque la cible. C'est un coup franc en faveur de l'Allemagne. Dans l'Allemagne qui perd le ballon là. Excellent le geste défensif là. Bonne pression défensive, le ballon sort. Le ballon pour Kai Havertz. Ruben Dias sur la trajectoire de cette passe. Vitinha. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et la passe est interceptée. Florian Wirtz. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Ou dans le dos de la défense là. Et dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Donc un coup franc pour l'Allemagne. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Havertz avec Joshua Kimmich et le gardien s'illustre bien. Ah non, la Moussiala qui perd le ballon. Gundogan à la réception. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Très bon timing sur cette interception. Et ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le Portugal. Bernardo Silva sur l'aile. Bernardo Silva, il peut avancer. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention.
pas grand chose dans ce match. Trop de réflexions qui retardent l'action. Ni ça joue, ni ça gagne. Une bonne contre-attaque peut-être. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Vitinha. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Florian Wirtz. Et ballon en profondeur. Nuno Mendes qui renvoie. Et voilà un ballon qui est intercepté. Toni Kroos avec le ballon. Magnifique ce contre. Et ballon pour une frappe. Encore et toujours sur la trajectoire. La faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal. Pep. Voilà, c'est annoncé. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Le réflexe sur ce ballon. Et c'est joué par Toni Kroos. Ah, le gardien qui se couche bien là-dessus. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec l'Allemagne. Oh, ça peut aller au but. À la parade, mais le danger est toujours présent. Et au final, ça ne donne rien. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Cristiano Ronaldo. Voilà, ballon perdu par Moussiala. Jamal Moussiala reçoit le ballon. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Joao Cancelo. Ballon pour Bernardo Silva. Et l'arbitre siffle la faute, dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien. C'est bien frappé vers la surface. La défense gêne bien, du coup la tête n'est pas cadrée. Mais voilà, c'est le moment pour faire un changement. Müller, ballon rendu à l'adversaire. Ça joue vers Joao Cancelo. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Ballon capté sans problème. Müller. Nouvelle perte de balle pour l'Allemagne. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Bernardo Silva. Balle au pied, c'est Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Oh non, et comment c'est possible de rater ça? C'était le but d'un 0 en plus. Quelle occasion manquée! Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Carton jaune là pour Nuno Mendes. Attention, la prochaine fois ça... Et ici l'occasion pour mener. Et ça y est, le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. Quel incroyable séquence de tiki-tac. Il est où le ballon? Il est là? Non, il est par ici. Non, il est là, il est plus loin. C'est comme ça, il est jusqu'au but. Ah, 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 ah.
deuxième mi-temps. Le verrou a sauté. C'est un autre match maintenant qui commence. Rafael Leao. Ah, bien joué, pas de faute là-dessus. Ou dans le dos de la défense là. Et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la fin, un zapatazo pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. En faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal. Rafael Leao. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Et le changement est demandé et il a lieu. Bruno Fernandes. Le ballon pour Pep. Nuno Mendes. Et la récupération du ballon. Ballon profondeur de Füllkrug. Un drapeau levé et hors-jeu signalé sur ce ballon en profondeur. Dommage, il y avait un bon appel, mais la passe est partie avec un petit décalage. Ruben Neves. Le ballon est maintenant récupéré. Le ballon pour Kimmich. Et le centre en retrait dans la surface. Bien défendu, mais le ballon revient. Ouais, très bien défendu. Et ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Portugal. Nuno Mendes. Ballon pour Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes reçoit le ballon. C'est un ballon perdu par le Portugal. Et ça joue vers Müller. Ah, Thomas Müller bien placé. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. La pression n'a rien pu faire contre son talent, son équilibre, sa sérénité. C'est un but historique, héroïque. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Oui, bien fait, il est passé. C'est un corner à venir, donc. Et c'est joué par Bruno Fernandes. Oh non, et cette tête qui est détournée par la barre. La balle est venue faire le bisou avant de s'éloigner. Le quatrième arbitre lève son panneau et ça sera 3 minutes supplémentaires. Wirtz reçoit le ballon. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. C'est bien parti pour ce corner. Magnifique ce contre. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire, la qualification allemande pour la finale de l'Euro 2024. On a l'impression que cette qualification pour la finale n'a été qu'une formalité. On a senti la domination dans le jeu, dans la construction
dans l'aspect offensif, mais aussi dans la mentalité et les ambitions. Et dans l'ensemble, on a vraiment apprécié sa performance. C'est une très bonne copie. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers.